Oh, pauvre bureau. Bonjour. Il arrive Bon, ce qui s'est passé, bon, ça m'a cassé les couilles, ce qui s'est passé. Ah, il y a plus rien, il y a plus rien. À part mon pauvre bon cœur. Et ça marche même pas, je crois. Monsieur le mandataire, quelle joie de vous revoir. On Oula, ma continue? tête. Non, c'est bon. On arrête là, je crois que vous avez fait assez de bordel comme ça. Bonjour. Ah non, mais nous on allait aussi faire des combats. Non, attendez, on discute. On allait faire un combat de classe entre vous et du personnel de classe D. Ça peut être intéressant, non? Vous vous donnez une Ouais, arme. mais faites pas ça dans une cellule de 1 mètre carré, c'est venu la chier. Faites ça sur. Je sais pas. Mais non, on va le faire dans le labo technologique en grande Mais ampleur. non! Faites ça sur SCP-354, ça serait encore plus drôle. Oh, mais toi. Vous donnez des superbes idées, monsieur le mandataire. Faisons ça. Non, Allez, mais moi je suis le meilleur. et les J'ai une meilleure PU là, idée. ramenez du bois du personnel de classe D. On va aller préparer le Reçu! terrain. Capitaine, ils sont déjà en Oui. expérience sur 173. Bah, ramenez les Au classes D pire, qui ont été utilisées. Vas-y, viens. Non, mais au pire, non. On fait le combat dans la cellule de 173. Donc de Non, 682, non, c'est trop y a un petit. ring à C'est trop petit. 682. Ah ouais, ça c'est une bonne idée, ça c'est une bonne idée. On monte la grille comme ça, vous faites en hauteur. On monte la grille. Pourquoi vous n'avez pas Ah des oui, bah armes? Parce que écoutez, si, on a beaucoup de terrain admettons, pour de vrai. si, je sais pas moi, pas du tout pour m'échapper, pas du tout. Alors d'ailleurs, je sais même pas comment vous m'avez retrouvé. Bon, ça c'est un autre détail. Mais c'est facile. Par contre, là, vous avez On vous connaît détruit le par cœur. système de bunker là. Attendez, hein, bougez pas, Oui, deux secondes. évidemment, mais Hop, je on prends détruit juste les une portes du photo. bunker. Et vous avez Voilà. tout détruit. Voilà, bon, ouais, il y a des corrompus dans des corrompus, c'est normal ça? C'est Même vous, n'importe vous quoi, êtes des putain. salopes entre vous, hein, c'est incroyable. Bon bah, écoutez. Le matériel, parce que je sais que le bureau coûte très Ne vous cher. en faites pas. J'ai Ouais. rien détruit du tout. Vous êtes en train de mentir. Ouais, bien sûr. Tout est enregistré, je tiens du tout à vous le rappeler. Ah, allez, honneur aux filles. Vous pouvez me donner Façon, si des vous êtes pas choses, parce content, que voilà. là, j'ai rien du tout entre mes mains. Oui, En mais vous plus. inquiétez pas, on va vous fournir ce qu'il faut pour combattre les classes D. Ah, ça va alors. Ah, ça va faire du bien de combattre ces cons là. Oh non, voulez-vous? Allez, Hop on descend. là, allez, je repars. Je plaisante. Tout le personnel médical et tout le personnel de classe D sont demandés au confinement de SCP 682. Je répète, tout le personnel médical et tout le personnel de classe D au confinement de SCP 682. Bienvenue dans notre nouvelle mission, Octogone de la Zone SAD. Observez le mandataire combattre du personnel de classe D et voir chaque niveau se complexifier. Le premier niveau confronte le mandataire à un membre du personnel de classe D. Le mandataire aura droit à une clé à molette que l'armurier va apporter immédiatement. La classe D aura uniquement ses poings. Le combat va bientôt commencer. Si vous n'avez pas encore rejoint le confinement de SCP 682 pour regarder le combat, rendez-vous maintenant. Faisons moins 50% sur le popcorn et les Toblerones. Et vous avez rien, vous? Non, T'es moi j'ai c'est où? des points, moi. Coucou! Comment ça va, les enfants?
Round 1. C'est comme vous voulez, hein. Ouais. C'est moi qui dis on y va. Ah. Allez. Aïe. Aïe. Le premier niveau vient de se terminer et c'est une défaite pour la classe D qui a osé sauter depuis la plateforme. Celles-ci a malheureusement été explosées. Pourquoi j'ai quoi moi? Parce que si j'ai rien. Coucou les filles! Comment ça va? Ah merde! Ah! Allez, t'es mort, fils de pute! Ah mais non, mais. Voilà, merci. Alors, toi, t'es mort. Dis-toi, toi, t'es mort. Ouais, t'es. Non, mais attends, ça commence pas. Ouais, c'est ça, y'a des règles. Bah là, ça commence pas, j'ai pas mon arme. Ta fiole, ta fiole. Éclaire d'un coup de mon arme! Non mais cassez-vous, non mais... ça me fait rien. Je t'explose ta gueule, là. Attention, début de la deuxième édition du Tzadktogon dans 2 minutes. Cette fois-ci, le mandataire sera équipé d'un couteau de cuisine et devra affronter une classe équipée d'une clé à molette. Oh, ça, c'est raisonnable. Les rôles s'inversent, le mandataire devient plus puissant que la classe D. Que va-t-il se passer? Nous rappelons les règles. Si qui que soit tombe de la plateforme, celui-ci est éliminé. Putain, le mandataire vient de tomber comme un con. Ah, il y a beaucoup de classes D, hein. Si une classe D tombe, elle explosera alors. Je peux avoir ma clé à molette s'il vous plaît, hein. Ça rend pas. Ah bah attendez, hein. Ça va peut-être faire baisser la plateforme pour que vous voulez. Hein. Descendez. Bon, personne, faut y me rattraper s'il vous plaît. Hein. Faut y me rattraper. À ma droite. Oui, mais non, faut sauter à ma droite. Aïe! Bouga bouga. Oh merci, vous êtes bien gentil. Allez, descendez la plateforme. Ah, dégage là. Hein. Merci de quitter la zone de combat. Quitter la zone de combat. Ouais, au début c'était chiant. J'étais une action un peu nulle. Je te conseille pas de. Les candidats doivent monter sur le. Putain. Attention. Le Tzadktogon sans règles. Débute dans 5, 4, putain mais commencez pas à vous frapper maintenant, j'ai pas dit oui. Bon, le Tzadktogon vient de commencer puisqu'il n'y a pas de règles. Excepté le fait que si vous tombez, vous explosez. Qu'est-ce qui va gagner? La classe D met un coup de machette. Le mandataire se défend avec un coup de couteau de cuisine. La classe D semble beaucoup saigner. Nous ne savons pas encore qui va gagner. Les médecins s'inquiètent. Qui est-ce qu'ils vont devoir soigner? Qui est-ce qui mourra? La classe... Oh putain! Explosion! C'est encore une victoire du mandataire pour la deuxième édition. Nous allons maintenant préparer la troisième édition avec un autre membre du personnel de classe D. Va changer le cadavre, vous me permettez? Ne descendez pas plus s'il vous plaît. Par contre, soignez-moi là, parce que là... Je t'avoue que... Oui, bah, je vais me soigner. Regarde le salaud, regarde le salaud. Il est en l'air. Je peux avoir un peu plus de, on va dire, de résistance vu que je. Ah. Le début de l'étape. Attends, t'as une arme? Bienvenue dans la troisième édition de Tzadktogon. Ah ouais.
Dans cette édition, le mandataire sera équipé d'un pistolet de merde. Alors que les deux classes D à côté seront équipées de poings. Il devra affronter deux membres du personnel de classe D dangereux et féroces. Avec seulement un pistolet de merde. Nous allons maintenant débuter l'octogone, c'est la montée. Et c'est le début de du octogone. Qu'est-ce qu'il va gagner? Nous ne le savons pas. Aïe. Le mandataire est perdu, il ne sait pas où tirer. Les deux classes D semblent prendre domination de lui. C'est une suprématie. C'est la domination absolue. Le mandataire se fait rouer de coups, mais résiste malgré tout. Il tire dans les jambes de la classe D. Oh, une classe D vient de mourir, ça fait un mort. La deuxième classe D, où en est-elle? Elle vient de mourir, elle aussi. C'est une victoire du mandataire. Tenez. Votre pistolet, s'il vous plaît. Ah, c'est pas marché. Félindra, tête de tigre. Where's my dinner? Oh, c'est... Lidl? Ah, il y a la marque Lidl, je crois. Non, c'est pas la marque Lidl, ça? Ah non, mais non, mais non. D'accord, ok, bon. Comme ça, on va pas dire que c'est pas raisonnable. Hein. Ok, ça marche. Ah ouais, pourquoi ça marche pas, hein? Bienvenue dans Tzadktogone, le combat sans règles de la Zonsad. Bienvenue dans cette quatrième édition. Ou troisième, je ne sais pas. C'est peut-être la quatrième ou la troisième, qui sait. On s'y perd déjà, tellement c'est passionnant. Dans cette édition-là, les deux personnels vont se battre à armes égales. Ce seront des tronçonneuses. Arborier donnait des munitions de tronçonneuses aux deux. Putain, mais commencez pas à vous battre. On se bat pas. Qui va gagner? Nous ne le savons pas. Nous allons lancer le combat bientôt. Début du combat, dès que la passerelle sera levée, que le meilleur gagne. C'est le début du combat. Nous rappelons que celui qui tombe mourra d'une explosion. Oh, la classe D a été tuée par le mandataire. Félicitations. Merci, merci. Pierre vient de battre à nouveau sa classe D. Ah mais voilà les munitions, mais c'est après le combat qu'on me donne. Tu vas toi. On compte Reculez, elle c'est 4. Attention, attention, explosion contrôlée. Mais dégagez. Eh Vincent, qu'est-ce que t'aimes bien le jus d'orange? Attention, explosion. Eh bon, je vais te grignoter les couilles, c'est quand c'est dit. Évacuez le Tzadktogone, évacuez le Tzadktogone. Évacuation, s'il vous plaît, tout le monde sort, tout le monde évacue. Hop hop hop, on évacue tout le monde. Il s'est passé quoi? Ok, laissez passer, laissez passer, laissez passer, laissez passer. Il faut d'abord, il faut se sentir, il faut se sentir avant. Ah ouais, c'est bon. C'est quoi Easy Peasy? GG, lâchez cette arme. La D, lâchez cette arme. Ça, c'est un travail... La D, l'astronome, commerce de passion. Astronome. C'est une sommation. Bon, excusez-moi, je voulais vous aider. Elle a besoin de vous. Il faut le réanimer. De suite. Non, j'arrive. Mais que vous donne une tronçonneuse, monsieur le lieutenant. C'est possible de mettre plutôt sur la hanche et pas sur la tête. Hey, t'as mis dans le cul. Ah, merci. Bah, c'est mieux que sur la tête parce que sinon on vous voit pas. Ouais, mais moi je l'ai sur la tête, je sais.
Bah, trop tard. Regardez, mettez-vous face au mur. Non, mais à un moment donné. Pas tronçonneuse, s'il vous plaît. Oui, tenez. Redonnez-moi. Tenez. Nous allons bientôt commencer. C'est ça que je voulais, voilà. Et ta gueule. Tous les participants doivent maintenant se mettre sur l'arène. Attendez. Nous rappelons que ceux qui dépasseront mourront explosés. Et entraîneront dans leur mort peut-être tous les autres. Ouais, enfin, parce qu'on est assez mort d'être ça. Ouais. Moi, je propose de s'allier contre le... tout ce qu'on fait. Lors de cette émission, donc lors de cette émission, lors de cette édition avec le thème Armandie et pompier. En espagnol, on rappelle qu'au pompier se prononce bomberos. Et en anglais, firefighters. Et en russe, pajarniki. L'arène sera mise en feu. D'accord, bon. Ah mais il nous fallait nous monter, mais ils sont cons. Le combat débutera lorsque la grille sera levée à son maximum. Allez pas dans le plus, s'il vous plaît, du C4. Faites vos paris, qui va gagner? Pariez dès maintenant. Là c'est une bonne question, en vrai, là c'est une bonne question. Là. Et tentez de savoir et de comprendre qu'est-ce qui est le meilleur. Vous avez bien commencé. Et le prévu, bientôt, on lève la grille. C'est le début du combat. Match à mort. Tout le monde s'inspire gentil. Oh, deux classés viennent de mourir d'un coup. La chasse en vie est très efficace. Une classé vient de survivre. Trois classés sont déjà mortes. Qui va gagner probablement le match? Le mandataire est mort de l'explosion et qu'il est vital est devant lui. Il faut réanimer le mandataire vivant avant qu'il ne meure. Merci, j'ai gagné. Ah, ça fait mal. Ah non, mais on est en qui la hache? Allez, salut-moi. Tenez la hache. Passe la hache. Je prends. La hache? Non, je passe, c'est mon bleu. Par contre, vous pouvez me mettre mes HP parce que là, du coup, j'étais blessé par le.